Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes bien le 2 janvier 2024. Voici le sommaire de cette édition. C'est un repas qu'on retrouve au cœur des grandes célébrations. C'est la période des fêtes de fin d'année et dans les maisons, c'est également l'heure de réfléchir aux différents plats à cuisiner pour rendre ces moments agréables pour chacun. Le cassoulet, encore appelé haricot blanc ou deyoué au Bénin, est un plat qui s'est imposé. Pourquoi un tel engouement pour le cassoulet pendant les fêtes? On va le savoir dans un instant. Ensuite, pendant ce temps, le ministère d'évangélisation du professionniste des saints, du révérend pasteur Elvis Dagba, boucle la 22e édition de son programme annuel dénommé Apothéose. La terre te reconnaîtra et agira en ta faveur, ainsi s'intitule le thème qui a été au cœur de ce programme, dont l'épilogue a été meublé dans ce moment de prière, de louange et d'adoration. Et puis enfin, nous parlerons également de la première saison du jeu de culture générale dénommé Kabou Kabou qui vient d'être bouclé, lancé le 30 octobre 2023 par Kamkoko Technologies. La première session de ce jeu a été sanctionnée par un tirage au sort de 5 grands gagnants. C'était ce dimanche à Cotonou. Et voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est la période des fêtes de fin d'année, vous le savez. Et dans les maisons, c'est également l'heure de réfléchir aux différents plats cuisinés pour rendre ces moments agréables pour chacun. Mais parmi ces plats, il y a un qui retient particulièrement l'attention de tous, vous le savez. Le cassoulet, encore appelé haricot blanc ou deyoué ici au Bénin. Pourquoi un tel engouement pour le cassoulet pendant ces moments de fête? Boulette Sanoussi et des Ronkwevi sont descendus dans le marché d'Antokpa pour poser la question aux usagers. Voici les images. Le cassoulet, encore appelé doyoué ou haricot blanc au Bénin, est une légumineuse qui se prépare beaucoup lors des fêtes, notamment celles de fin d'année. Le constat fait montre de ce qu'il s'agisse d'un plat très prisé par la majorité de la population, aussi bien pendant la Noël que le Nouvel An. Ça sort de l'ordinaire. On n'a pas l'habitude de le préparer. Les enfants aiment ça. Mis à part le haricot qu'on a l'habitude de préparer, le vanzou, ça là, quand on prépare bien la saison, vraiment c'est doux. C'est pour ça que nous l'aimons préparer à la fin de l'année, pour faire du plaisir aux enfants. Les enfants aiment ça. Quand ce n'est pas un repas qu'on prépare ça tous les jours, et comme c'est un jour de fête, un jour particulier, il faut faire ça pour faire plaisir aux enfants. J'aime le cassoulet, mes enfants aussi aiment le cassoulet. Surtout pendant les fêtes, c'est ça les enfants aiment prendre. Donc, la priorité, c'est qu'on le donne, on arrive à payer, préparer pour les enfants. Donc, la grande prière, c'est d'avoir les moyens et de préparer pour les enfants. Si on est dans le marché actuellement, c'est pour pouvoir payer, préparer aussi. Chaque année, il y a les enfants mangent ça. Même à soutenir sur nos domaines. Bien qu'étant très affectionné par les enfants et les adultes en période de fête, le cassoulet vendu sur le marché a plusieurs variétés et le prix proportionnel à la qualité. Acheteurs et consommateurs font bien la différence. Figurez-vous qu'il y a le faux et le vrai. Le faux, le mélange avec du soja en 3 jours. Vraiment, ça ne cuit pas, ça ne fait pas chose là. Mais le vrai, quand vous le préparez, vraiment c'est bon. Ça a du bon goût, c'est succulent. Raison pour laquelle nous l'achetons le plus souvent. Généralement, c'est pendant les fêtes que le cassoulet vient. Donc c'est un peu moins cher par rapport aux autres jours. Donc actuellement, il y a deux sortes de cassoulet. Il y en a pour 2500 et pour 1500. Moi, j'ai préféré prendre pour 2500. Le cassoulet est cultivé au Bénin. Au fil des années, sa production a augmenté et le produit a pris de la valeur sur le marché. C'est ce que nous livre l'une des commerçantes dans le marché de Dantokpa. Cassoulet, hein. Il y a un cassoulet, c'est ça, merci. 600, bien, merci. Quand il y a 2500, il y a 1500. Pour ça, c'est 5000 waïdi. On va dire 2500, ça veut dire. Pour l'homme, un cassoulet, on tombe. Mais quoi de bien, quoi? Pour l'homme, on décide de temps, on tombe. Mais quoi de bien, quoi? Et rock. Qu'est-ce qu'il y a, mais quoi de quoi, mais de quoi, quoi? Pendant les fêtes de fin d'année, de nombreux repas sont concoctés dans les ménages pour le bonheur de chacun. Mais le cassoulet reste la plupart du temps un plat incontournable dans le menu. Qu'il soit préparé blanc ou rouge avec différents ingrédients,
Le cassoulet se consomme soit avec du pain, du gari ou du riz. À la fête du Nouvel An, on se souhaite les vœux de bonne année, de paix, de santé, de prospérité, un exercice qui témoigne d'une tradition. C'était organisé des retrouvailles en famille ou entre proches pour faire cet exercice et qui est demeuré comme une coutume pour les êtres humains. Candide Rorento nous propose ici le sens et la portée des vœux de Nouvel An dans ce reportage. C'est plus qu'une tradition dans les habitudes des hommes sur tous les continents dans le monde entier. Ils remplissent à chaque nouvelle année leur devoir ou obligation de formuler des vœux du nouvel an à l'endroit de leurs proches et autres personnes. Pour la plupart, ces souhaits revêtent une importance capitale. Les vœux formulés utilisent ou passent par des mots de bonne année, des mots en fait qui déclenchent les sentiments. Des mots qui ouvrent les émotions et qui font qu'il y a une transformation de l'individu dans toute sa totalité, depuis ses espérances, son espérance, jusqu'à en fait ses attentes de la vie. Chacun a des attentes. Et à la fin de l'année, on opère un bilan pour voir un peu ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Donc on formule les vœux par rapport à ce qui reste à faire. C'est un peu comme si et on met à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour les nouveaux défis. Et donc les vœux rentrent dans le renouvellement de la personnalité, un peu comme aussi on lave une maison, on enlève les toiles d'araignée. La portée de ces vœux formulés tire sa source dans la sacralité du verbe, ce qui explique la réalisation de ces vœux transmis à travers des paroles ou des souhaits prononcés. Si nous aussi nous avons été faits à la ressemblance et à l'image de Dieu, cela veut dire que ce que nous disons là doit nécessairement être efficace. Pas doit, est toujours efficace. Donc en souhaitant, en faisant un vœu, c'est pour que cela se réalise. Et cela se réalise, ce n'est pas une affaire de religion d'abord. On dit enfant, nous mettons vaudouin. Cela veut dire qu'avant que nous ouvrions la bouche pour dire quelque chose, qu'il faut tourner trois fois sa langue, parce que quand tu as dit, ça va arriver. La parole est efficace, le verbe est efficace. Et quand on y croit, c'est davantage efficace. Quand on parle du sens de ces vœux exprimés, les perceptions sont diverses. Les vœux que nous formulons, il faut tenir compte des attitudes de la personne avant de lui faire des souhaits. Des fois, il y a un vœu, mais d'abord. Parfois, nous formulons des vœux à certaines personnes, mais en fin de compte, on dirait des malédictions pour ces personnes. On leur souhaite bonheur, mais ce sont les peines qu'elles traînent toujours. C'est une bonne chose qui ouvre des portes, peu importe le moment. Quand on prodigue des vœux à nos proches, ça fait quand même un petit plus, ça encourage, ça soulage. Et celui-là se dit, ah, oh, merci, merci, que ces vœux-là soient réalisés. Mais je trouve que ça, même si ça n'a pas de portée, mais c'est bien de toujours formuler des vœux à l'endroit de nos proches. Il y a plusieurs années en arrière, les hommes se retrouvaient en famille pour formuler leurs vœux à prononcer aux membres de leur famille et proches. Mais on constate aujourd'hui qu'avec les smartphones, de simples messages suffisent pour cet exercice. Une pratique qui, pour certains, ne réduit pas l'efficacité des souhaits émis, si cela est bien pensé, en âme et conscience. Les vœux dans lesquels il n'y a pas un investissement du cœur sont des vœux glacés, d'accord, et qui n'ont pas une incidence sur l'ordre des choses. Mais quand même, si vous constatez, lorsqu'on lit les posters, on sourit. Donc quelque part, cela peut toucher, ça touche les cœurs. Au-delà de la parole, c'est des tests. Mais je crois qu'au lieu d'envoyer pour envoyer, il faut que je pense à ceux à qui je vais envoyer ça véritablement, de façon intérieure, avant de les leur envoyer. Sinon, c'est comme si je me libère d'une civilité. Les vœux ne sont pas une civilité. Peu importe la forme qu'ils prennent, les vœux du nouvel an ont toujours de la valeur. Difficile donc de prédire leur disparition dans le temps.
Et ensuite, comment les Béninois, attachés à nos valeurs endogènes, entrent dans une nouvelle année, se purifier ou purifier son entourage avant d'entamer une nouvelle année, relève d'un choix personnel. Mais comment cela doit-il se faire? C'est ce que nous allons voir dans ce reportage de Teddy Goudalo, Elvis Otonoukouin. Ils sont allés à la rencontre de quelques déités de culture endogène à Cotonou, mais aussi à Bomekalavi. C'est déjà la période des fêtes de fin d'année et les Béninois s'affairent au mieux pour passer d'agréables moments de fête. En circulation, prudence et vigilance sont observées. À la question de savoir comment doit-on entamer la nouvelle année en paix, ce prêtre de Vaudou rencontré invite d'abord à une rétrospection. Avant d'entamer une nouvelle année, on adopte une bonne conduite de vie. On doit pouvoir identifier les échecs enregistrés durant l'année en cours d'achèvement et surtout faire des projections pour l'année nouvelle. La purification n'est rien d'autre que la reconnaissance et le pardon des actes négatif vis-à-vis de son prochain. Dans les religions endogènes, entamer une nouvelle année requiert plusieurs dispositions préalables, notamment des sacrifices ou encore des bains rituels. Vous savez, au temps de nos ancêtres, quand nous voulons rentrer dans la nouvelle année, il y a lieu de faire des sacrifices au niveau de nos diverses divinités et au niveau de toutes nos confessions religieuses. Il y a ce qu'on appelle les prières de bénédiction qui sont organisées à tout niveau selon nos pratiques. Le roi de mes gens, nous avons un ton. Le temps de vie, nous avons un d'accord de nous vivre. Quelqu'un qui reconnaît ses origines culturelles et culturelles ne peut jamais entamer une nouvelle année sans prendre des dispositions avant 0 h. Moi, personnellement, je rase mes cheveux le 31 décembre à des fins rituelles. Da Danokweso est président des Rodintés de culte endogène de la commune de Tofo, département de l'Atlantique. Selon lui, il est impérieux de se purifier spirituellement afin de bénéficier des grâces de l'année nouvelle. On doit parler prioritairement d'abord de la purification, qui est prioritaire. Nous avons plusieurs pratiques selon les divinités, l'ensemble des divinités, ou soit l'orable qui est sorti, ou bien surtout avec nos imams, nos évêques, nos pasteurs, tout ça là. Nous avons ce qu'on appelle dans la plus simplicité, la main dans la main, le mouvement de vivre ensemble pour aider nos fidèles, nos adeptes pour rentrer dans la nouvelle année. Se purifier ou pas à l'approche d'une nouvelle année relève d'un choix personnel. Un choix qu'il faudra assumer en tout état de cause.
Le ministère d'évangélisation du professionniste des saints du révérend pasteur Elvis Dagba a bouclé ce dimanche la 22e édition de son programme annuel dénommé Apothéose. La tête reconnaîtra et agira en ta faveur, ainsi s'intitule le thème qui a été au cœur de ce programme dont l'épilogue a été meublé d'intenses moments de prière, de louange et d'adoration. Cet événement annuel s'est déroulé au siège de l'église à Akpakpa. Candy Rouento pour les détails. Ce dimanche 31 décembre 2023 marque la nuit de la traversée pour les fidèles de l'église, ministère d'évangélisation, du perfectionniste des saints, du révérend pasteur Elvis Dagba. Ils se sont réunis ici ce soir pour terminer l'année 2023 avec un programme bien alléchant. Des louanges et adorations résonnent dans ce palais de gloire pour une entrée dans la nouvelle année sous le signe de la bénédiction. En dehors de l'adoration, un bon moment a été consacré à la prédication du révérend pasteur Elvis Dagba. À 0h, les fidèles poussent des cris de joie pour accueillir la nouvelle année dont le Père Céleste leur accorde la grâce. Après le passage de l'année 2023 à l'année 2024, en cueil et en adoration, place a été faite à la prière de délivrance puis à la bénédiction des fidèles. Une soirée mouvementée qui a duré plusieurs heures et ceci jusqu'à l'heure. On a rendu gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant cette année et on l'a présenté la nouvelle année, nous sommes rentrés avec lui. Ce que j'ai retenu, c'est que nous avons passé des riches moments d'enseignement, des riches moments de délivrance, des riches moments de prophétie et chacun de nous a reçu quelque chose aujourd'hui. Je repars avec tout. Tout ce que je peux dire, c'est que je repars avec tout. Et en tout cas, il n'y a pas de rien. Je repars avec tout parce que ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a fait et il fera. Donc, l'homme de Dieu a commencé ce séminaire et aujourd'hui, il a clôturé. Il nous a encore donné les clés qui vont nous permettre quand même d'accéder à plusieurs portes dans l'année 2024. Et aussi, à la fin, nous avons été bénis par l'effusion du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu s'est vraiment manifesté. Des gens ont reçu leur délivrance. L'Éternel a doté beaucoup de personnes de plusieurs dons. Comme toujours, l'Éternel a l'habitude de faire de merveilleuses choses au milieu de nous. Donc ce matin, nous sommes vraiment comblés. C'est un peu comme si l'année 2024, nous l'avons déjà possédée. Les fidèles sortent de la nuit de la traversée avec une note de satisfaction. Fin donc en beauté de la 22e édition du programme annuel du ministère d'évangélisation, du perfectionniste et des saints, du révérend pasteur Elvis Dagba. Les yeux sont tournés vers la prochaine édition. Dans le département du Mono et du Koufo, la direction départementale de l'industrie et du commerce poursuit sa lutte contre les commerçants véreux. La semaine dernière, la directrice en personne a fait une descente dans le marché de Lobogo, dans la commune de Bopa, pour vérifier la qualité des produits proposés à la clientèle en cette période des fêtes de fin d'année. Voici les images. Ambiance peu ordinaire dans l'après-midi du mercredi 27 décembre 2023. Au marché de Lobogo dans la commune de Bopa. La directrice départementale de l'industrie et du commerce du Mono Koufo y a fait une descente pour un exercice de routine. Nous allons sur les marchés pour vérifier un peu ce qui est vendu aux populations. Donc nous essayons de sortir des rayons les produits impropres à la consommation, les produits avariés et les produits périmés. Des produits dont la commercialisation connaît un regain en cette période des fêtes de fin d'année. Et la chasse aux commerçants véreux est faite sans complaisance. Bravant le chaud soleil de l'après-midi et sa chaleur caniculaire, Doris Tosso Afangbedi est passé d'étalage en étalage à la recherche des indélicats. Aussi bien des rayons des boutiques que des étalages installés le long des allées du marché ont été débarrassés des produits avariés. Dans ce lot des commerçants véreux, il y en a qui ont fait usage d'autres moyens pour tromper la vigilance de la clientèle. Des produits dont l'autorité a mis fin au séjour ici, au marché de Lobogo.
Et tout ceci a été accompagné des conseils aux populations. J'exhorte la population en cette période de fin d'année à faire preuve de vigilance au moment d'effectuer les achats, de prendre toujours le temps de vérifier les dates, la qualité des produits avant d'acheter. Doris Tosso Afangbedi maintient ainsi sa posture de veille permanente, surtout en cette période sensible. Des moments sans répit pour les candidats à la fraude, puisque l'agenda de la directrice départementale prévoit bien d'autres sorties sur le terrain dans le but d'éviter à la population tout risque d'intoxication alimentaire. Dans la suite de cette édition lancée le 30 octobre 2023 par Kamogoko Technologie, la première saison du jeu de culture générale dénommé Kabou. Kabou est déjà terminée. Cet épilogue a été sanctionné par un tirage au sort de 5 grands gagnants qui s'est déroulé ce dimanche à Cotonou. Suivez le point de la cérémonie dans ce élément. Kabou, Kabou, après 2 mois de compétition âprement disputée, le jeu Kabou Kabou est à son étape finale, celle de l'attribution des récompenses à ses meilleurs participants. Du 30 octobre au 30 décembre 2023, ils sont nombreux à tenter de répondre quotidiennement via WhatsApp ou une application mobile à des questions portant sur le Bénin. Les plus brillants décrochaient périodiquement des gains. Kabou Kabou est un jeu de culture générale dont les questions portent exclusivement sur le Bénin. Nous avons fait le constat que de nombreux Béninois ignorent beaucoup de choses, parfois même les basiques, sur notre pays, le Bénin. L'objectif de Kabou Kabou est de permettre aux Béninois de découvrir et d'apprendre davantage sur le Bénin à travers un jeu, avec la possibilité pour eux de gagner de l'argent. En lice pour ce tirage au sort, un total de 99 joueurs. Il s'agit de ceux qui ont engrangé les plus grands nombres de points au thème du jeu. Le tirage au sort est fait pourquoi ? C'est pour sélectionner les 5 super gagnants parmi tous les joueurs ayant accumulé au moins 5000 points. Ces super gagnants remportent respectivement 1 million de francs CFA, 500 000 francs CFA, 250 000 francs CFA, 150 000 francs CFA et enfin 100 000 francs CFA. La prochaine saison du jeu sera lancée dans quelques semaines avec plus d'innovations et encore plus de lois gagnées pour les joueurs. Donc, à court terme, l'objectif du jeu, c'est d'être en droite ligne avec l'objectif du gouvernement béninois, qui est de révéler le Bénin au monde. Mais nous, nous avons choisi de révéler le Bénin d'abord aux Béninois. À l'issue d'un exercice transparent, supervisé par un huissier de justice, les 3 premiers prix reviennent respectivement à Jiro Zanou, Patrick Hervé Yobodé et Pulchéri Khenoussi. Des mots de joie, de gratitude envers celui-là qui a eu cette ingénieuse idée de créer un jeu de culture générale sur une plateforme pour amuser les Béninois. Je suis tout d'abord émue et je tiens à remercier l'entreprise qui a mis ce jeu en place. Pour les autres gagnants, surfer sur ce jeu afin de mieux connaître le Bénin est un élément déterminant. Je vais dire que c'est Dieu qui m'a donné de la motivation parce que j'ai rencontré beaucoup de difficultés à travers le jeu. Et l'autre chose, c'est le tirage final, l'ampleur qui a été donnée au tirage final et qui m'a donné encore plus, qui m'a boosté, qui a boosté ma volonté. Et l'autre chose, c'est le Bénin qui était dans le jeu. Tout ce qui concernait le Bénin. J'avais envie de découvrir encore davantage mon pays, les coins reculés et tout. Tout ce qui concernait le Bénin. J'avais envie de découvrir encore davantage et tout. Donc, concernait le Bénin. J'avais envie de découvrir encore davantage. Vous l'avez compris, quelques petits soucis et puis nous allons terminer avec ce reportage. La commune de Toribosito a abrité la 2e édition de la marche dénommée Découverte des dépressions de Avamé à la marche. C'est un exercice sportif qu'offre des hommes et femmes à la recherche de la santé physique. Cette activité sportive a démarré à la mairie en présence de la première autorité de la ville et d'autres cadres. Voici le compte rendu. Face au ciel couvert, ces hommes et femmes s'adonnent à la marche sportive. Ensemble, ils ont parcouru des kilomètres à la recherche de la santé physique.
Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est très bon de profiter des dépressions quand on est sportif. Découverte des dépressions de Avame à la marche, c'est pour aborder la nouvelle année en pleine forme. Venu de toute la ville du Bénin, vous avez répondu à cet appel malgré vos multiples occupations. C'est pourquoi je me réjouis de votre arrivée massive en y percevant la tradition effective de notre volonté commune de faire du bien-être notre cheval de bataille. La marche est une activité aérobique qui nous permet, entre autres, de maintenir notre corps en bonne santé. Elle nous permet de stimuler le cœur et de renforcer les poumons. C'est pourquoi marcher régulièrement et sur une distance satisfaisante contribue à maintenir votre forme physique. Le sport a le pouvoir de changer le monde. La randonnée qui a démarré à la mairie de Toribo-Sito a sillonné la ville. Le sport pour tous est une réponse efficace et durable face aux problèmes de santé publique. Le ministre nous charge de vous témoigner son attachement à ce genre d'initiative. Le club, le bien-être club, organisant cette activité, donne la preuve de ce que le sport d'entretien est une préoccupation majeure. Marcher, c'est donner de la force à son cœur. Et marcher ensemble, ça donne toujours le plaisir d'être ensemble. Et ça nous motive à prouver à tout le monde que le sport, c'est le bien-être. Cette marche sportive intervient à quelques heures de l'année 2024. Les autorités politico-administratives de la ville ont saisi l'occasion pour formuler les meilleurs vœux à l'endroit des clubs participants. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.